Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 21 de notre Let's Play sur Mario Galaxy 2. Donc voilà, on avance bien sur les Let's Play. Alors, en ce moment il y a pas mal d'épisodes de Mario Galaxy, hein, voilà, mais comme je l'avais dit dans l'épisode dernier, c'est pour compenser parce que en juillet il n'y aura pas d'épisode vu qu'il y aura la pause de juillet. Donc en gros, ça veut dire qu'il n'y aura pas de vidéo pendant tout le mois de juillet en fait. Voilà. Tout simplement. Et donc du coup bah là on va dire que je tourne plein d'épisodes pour comme ça au moins vous avez quand même beaucoup d'épisodes en juin. Comme ça voilà ça compense un petit peu avec la pause du mois de juillet. Tout simplement, je répète à chaque fois la même chose à chaque début d'épisode. Mais bon au moins c'est pour bien expliquer. Tout simplement. Voilà, parce que je sais que là je force un petit peu avec les épisodes de Mario Galaxy. Il y en a beaucoup qui sortent. Mais voilà, c'est pour. Encore une fois, c'est pour. C'est parce qu'il y aura bientôt une pause, voilà, tout simplement. Et je peux pas sortir beaucoup d'épisodes. Parce que là, j'aurais pu faire. Voilà, sortie de Let's Play classique en juin. Et rattraper le retard de juillet en août. Sauf qu'en août, j'ai déjà prévu d'autres trucs. Donc du coup, je préfère rattraper la pause de juillet. Pas en août, mais en juin, en fait. Donc la rattraper en avance, ce qui est bizarre, mais vous m'avez compris. Alors dans cet épisode, on va faire le château de Bowser du monde 4. Donc on va terminer le monde 4, même si on a encore quelque chose à faire, à savoir le Luma. Mais il demande 1200 fragments, on n'a pas du tout. On n'a pas du tout assez, donc on va revenir plus tard. Voilà, pour l'instant, on va faire le château de Bowser. C'est parti. C'est parti. Oh, la musique est incroyable. Ah, mais c'est la musique de Mario 64 en fait. Et oui. Je sais pas si vous voyez un petit peu là. Voilà, c'est. C'est la musique en fait du château de Bowser dans. Enfin, pas du château de Bowser, mais. Ouais, le niveau de Bowser, quoi. Dans Mario Galaxy. Là où il y a le tableau de Peach qui se transforme en tableau de Bowser, tout simplement. Ok, j'ai l'impression qu'il y a un truc là-bas, mais bon. Enfin, je crois que c'est cette musique-là. Hein, que. À vérifier, mais. Mais il me semble bien. Bah yes. Ouais, peut-être que je regarde un petit peu avant, mais bon, de toute façon, on peut quand même la voir. Ok. Pour l'instant, tout va bien. C'est bien parce que dans Mario Galaxy, il y a vraiment la nouveauté de la gravité. C'est vraiment la grosse nouveauté de Mario Galaxy. Et ils l'exploitent vraiment très bien, genre. Genre, vraiment, ils en mettent dans tous les niveaux et à chaque fois d'une manière un petit peu différente. Et je trouve ça vraiment plutôt sympa. Voli-volou. Et je trouve même que le 2 est mieux que le 1, donc faut le faire quand même. Pour être mieux que Mario Galaxy 1. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent le 1 parce que. Il y a l'observatoire, donc qui est quand même plutôt cool. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est pas mal, mais au niveau des planètes, franchement, pour moi, le 2 est clairement au-dessus. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau j'allais dire du menu. Pas du menu, mais genre, voilà, dans le 2, bah, on est dans un vaisseau. Alors que dans le 1, c'est un genre un observatoire, donc c'est plus stylé. C'est plus grand, etc. On peut vraiment. Enfin, il y a vraiment beaucoup plus de place et tout. Donc, j'avoue qu'à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que je fais. Oh là là. Mais qu'est-ce que.
Ok. Je sais pas, je voulais voir ce qu'il y avait là-bas. Wouah, mais c'est cool. Alors j'aimerais bien ne pas perdre mes civils. Voilà. Ok, let's go. Voilà. Ok. Et voilà. Tac, ça c'est fait. Qu'est-ce que... Eh bien, de la part de mon ennemi juré, j'aurais dû m'y attendre. Mais fini de jouer, Mario, je vais te réduire en bouillie plasmique. Ah ouais, carrément, avec mon point de colosse. Bah dis donc. Bah, il a encore grossi par rapport à la dernière fois. Il est devenu gigantesque. Voilà. Alors. Oula, attention. Bon, d'après mes souvenirs, le boss n'est pas très compliqué. Donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Hop. Bon, l'objectif, c'est assez simple, c'est d'attendre qu'il y ait les boules de pierre là qui atterrissent. Et après, dès qu'elles sont levées, eh bien on l'attaque tout simplement. Voilà, on fait genre comme ça, voilà, parfait. On arrive ici, et là on fait bam. Voilà. Ça reste assez simple. Après, on va pas créer victoire trop vite, hein, parce que... Je ne sais jamais. Ah, mais vas-y. Ok, parfait. Voilà. Bon là il va s'énerver. Il est pas content. Il est pas très très content. Ok, ok. Voilà. Hop. Ok. Et voilà. C'est la fin. Je vais rétrécir. Et voilà, c'est la fin. Déjà à tous. Impossible. Mario, pauvre fou, mon plan poursuit son cours, tu ne pourras jamais m'arrêter. Ok, on verra bien, on verra bien. C'est ce qu'on verra, ouais. Bon, petite étoile, tranquillou. Hop. Ok, let's go. Hop. Bon, du coup, on va explorer le nouveau monde, hein. Je pense qu'on n'aura pas grand-chose à faire, là.
pas de... Je pense qu'il n'y aura pas de comète ou quoi. Donc voilà, et puis au niveau du Luma, bah, de toute façon on n'a pas assez de fragments, donc... On va aller explorer le nouveau monde. Hop. Ah ouais, je me rappelle de ce monde. Oh là 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 là. Oh, ça va être long. Cet endroit a l'air d'être vraiment bien gardé. Si tu veux mon avis, matelot, ça veut dire qu'on se rapproche du quartier général de l'ennemi. À coup sûr, ces pirates te réservent un accueil explosif. À toi de jouer, petit mousse. Ouais, alors on a l'impression qu'il y a plus de planètes, mais pourtant. Bah pourtant, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7. Oula, j'ai tapé dans le micro. Et du coup, c'est comme vous pouvez le voir à l'écran, vous pouvez voir que là on est dans le monde 5 et à côté il y a le monde 6. Et il y a rien à côté du monde 6 en fait. Donc voilà, on s'approche clairement de la fin, même si en vrai je dis qu'on s'approche de la fin, mais on est plus au milieu du jeu qu'à la fin. Parce que déjà il y a le monde 6. Mais après, quand on aura fini le jeu, il y aura un autre monde spécial, donc avec plein d'autres planètes, etc. Et il y a toutes les comètes aussi qu'il faut faire, et toutes les étoiles bonus qu'il y aura à faire. Donc pour résumer, on n'a pas du tout fini, hein, clairement. D'ailleurs, il y a une comète farceuse ici, que je n'avais point remarquée. Alors, c'est pas du tout là. Vraiment pas. Voilà, petite comète farceuse que je n'avais pas remarquée. On va la faire. Bon, encore un château de Bowser, mais bon. C'est pas très grave. Comète farceuse repérée. Un robot trop marteau. Une seule chance. Ok, ça va être galère de fou. Ça va être galère de fou malade. Déjà que j'avais galéré sur celui-là. On s'en rappelle, hein. Ok, let's go. Ok, alors. Ça va être tellement dur. Vraiment. Ok, pas mal. Allez, 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 let's go. Ok. C'est pas mal. Et si on arrive à le faire du premier coup, ce serait incroyable. Ok. Let's go, parfait. Maintenant, il faut faire derrière. Il n'y a pas de... Ah, voilà. Parfait. Ah, il va se retourner. Oh, on a raté en plus, on est trop nul. Enfin, je suis trop nul en fait, vous avez rien à voir là-dedans. Je sais pas pourquoi j'ai dit on. C'est vraiment moi qui ai raté quoi, pour le coup. Allez, concentration. Hop là. Non, c'est une blague. Oh, c'est une blague. En fait, j'ai envie de tenter un truc, mais je pense que ça va pas le faire. Ok, let's go. Bon, là, il va se retourner, on n'aura pas le temps. Allez, allez. Et franchement, là, il nous reste un coup. Hein. Franchement, ça peut le faire. Allez, 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 allez. Oh, j'ai très peur, là, j'ai très peur.
Let's go. Parfait. Oh là là. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini. Bah c'est fini. Voilà. Voilà, voilà, on a perdu. Yes, trop bien. J'ai la flemme de tout refaire. Oh non, c'est pas vrai, on en était bien parti là. Ah, je suis deg. Franchement, on aurait pu faire du premier coup, mais bon. Hop là. Ah, ça, c'est fait. Hop, ensuite. Hop. Voilà. Parfait. On va vite partir. Let's go. Ok. C'est là où ça va être dur, hein, parce que... Au pire, j'ai une idée, mais... Ça va être chaud. On prend celle-là. On la met je sais pas où. Et voilà, on prend celle-là, comme ça on n'est pas gêné. Aïe, 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 aïe. Ah, ça va être compliqué. Ça va être très, très, très compliqué. Vraiment, vraiment. Compliqué de ouf. Ok. Allez, ça peut le faire. Voilà, il met ses mains devant. Tac. Là, c'est bon. Ouais, mais du coup... Du coup, non. Quoi ? Oh là là, ça va être interminable. On va jamais le finir. Oh, ça va être interminable. Yes! Même les trucs simples, on n'arrive plus à les faire, genre. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ok. Hop. Hop. Voilà. Ok, on va tenter un truc. Oh, oh, let's go! C'était stylé, ça. Bon, là, maintenant, ça va être très, très dur. Voilà, lui, il va nous gêner, donc non. Maintenant, lui... Let's go! Ok, c'est bon, on a la technique, on a la technique. Ok, 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 pas mal, pas mal. Parfait. Et ben voilà, c'est bon. Enfin, je croyais qu'on allait vraiment beaucoup plus galérer. Mais finalement, ça passe. Finalement, ça passe. Hop, on va prendre la petite étoile. Pas de fail comme la dernière fois quand on avait fait ce boss. Et voilà, bah parfait. En plus, on est quasiment à 20 minutes. Bah c'est parfait. C'est parfait, voilà. On peut s'arrêter là tranquillement. Hop. Bon. Bah, du coup, en tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.